suis belle quand à Congo number one. Number one. Tant que number one, tout est beauté. Number two, tout est. Number one. C'est ça, président Raboui. Nous allons rabouiller quoi? Nous allons vraiment bouiller. Presse à Mboka. Il va y avoir un numéro 1. Mais internet, beaucoup de bouquets, il va y avoir un numéro 1. T'es na tuni, t'es number 1. Tout le monde, t'es number 1 na tuni. Ils allent à le Seigneur. Voici pour vous un nouveau DVD du frère Clovis Makola, l'oiseau du jour. Concert live au boulevard Triomphal de Kinshasa en CD et DVD. Un méga concert comme jamais. Un méga concert déjà dans vos bacs. N'attendez plus, courez vite, achetez votre DVD ou CD Clovis Makola live au boulevard Triomphal de Kinshasa. Nzambe Yamakamba Minene. Le frère Clovis Makola, l'oiseau du jour, avec son nouveau DVD et CD. Concert live au boulevard Triomphal de Kinshasa. Nzambe Yamakamba Minene. Un méga concert comme jamais. Un méga concert déjà dans vos bacs. N'attendez plus, courez vite, achetez votre DVD et CD Clovis Makola live au boulevard Triomphal de Kinshasa. Cadre de notre mission politique du Congo, nous recevons l'honorable Augustin Massamba Yes. Du RNLP, Rassemblement National pour la Paix et la Liberté. Honorable. Parti de la majorité présidentielle. Tout à fait, membre de la majorité présidentielle. Ouais. Bonjour, honorable. Bonjour. Et sans tarder, il y a quelques jours, la République démocratique du Congo, ses frontaliers, pays amis, ainsi que d'autres, ont signé un accord pour une paix durable sur notre territoire. Oui. Quelle est votre interprétation de cet accord et voire même sa signature, la signature de d'autres pays tels que le Rwanda et l'Ouganda? Quelle analyse faites-vous sur cette question? Avant de vous donner une analyse scientifique de la chose, schématiquement, je voudrais rappeler, à titre de rappel tout simplement, que le Congo est objet de convoitise de multinationales, les pays voisins sont utilisés comme placebo pour une balkanisation de notre pays, c'est-à-dire scinder notre pays en. Les premiers plans faisaient du Congo, ils divisaient le Congo en huit États. Les deuxièmes plans divisaient le Congo en six États. Et les derniers plans divisaient le Congo en quatre États. Mini-État malléable, manipulable, de façon que qu'on puisse mettre main basse sur nos richesses. Là, le maréchal de Mobutu, à l'époque, disait que c'est pas facile d'être le grand Congo. À cause de nos richesses, on va nous exterminer
On va nous balkaniser. Alors, donc, les États voisins, ainsi que quelques Congolais qui ont la faiblesse de l'argent, dont l'argent n'est plus un moyen, l'argent devient leur maître à penser. Et donc, disais-je que les États voisins, je cite le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que quelques collabos congolais, politiciens, sont utilisés à souhait pour cette tâche de la balkanisation. Lumumba, premier ministre du Congo, premier ministre de la République du Congo, en 1960, disait déjà que les plans pour mettre le Grand Congo à terre, les plans sont déjà fabriqués dans les officines politiques. La balkanisation du Congo, c'est demain. Lui aussi avait souffert du même mot. Il a été dans la même situation que nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où le Rwanda a utilisé le M23 comme quoi étant un mouvement congolais, alors que le monde entier sait très bien que ce n'est pas un mouvement congolais. Même le fameux pasteur qui est devenu président était un Rwandais notoire, Hutu, qui avait une église ici à, c'est pas moi qui, Tambo, deux ou trois églises. Monsieur Runiga, et que les Congolais n'est plus dupe. Alors, la situation actuelle, c'est la situation de guerre que nous connaissons, imposée par le Rwanda pour arriver à sa mission, la balkanisation du Congo, de façon que les trois provinces, nord, sud et le Maniema, puissent être annexées au Rwanda. Ça a toujours été les rêves des Kagame. Alors, nous nous sommes battus, vous connaissez la suite, le monde entier avait donné raison au Rwanda, que le Rwanda n'est pas impliqué, le Rwanda n'est pas impliqué, le Rwanda niait que jamais ils ont été ni de près ni de loin dans l'aventure du M23. Le Rwanda a forcé jusqu'à prendre position de Goma. Les M23 sont entrés, le monde entier a vu que par leur morphologie, les militaires du M23 étaient vraiment des Rwandais. Ils n'avaient rien de Congolais. Même dans leur façon de danser, nous les Bantous, nous dansons par la hanche et ils dansaient par les épaules. C'est des phénomènes qui ne trompent personne. Des phénomènes culturels, socioculturels qui ne trompent personne. Bon, maintenant, le Congo est membre de l'ONU depuis 60. Ce n'est ni moi, ni le président Joseph Kabila, ni encore le premier ministre Matata Ponyo, ni moi encore notre ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui a fait que le Congo soit membre de l'ONU. Nous existons, ça fait 52 ans, ça fait 52 ans que nous sommes membres de l'ONU, membres aussi des organisations sous-régionales telles que la COMESA, telles que SADC. Parce que telles que c'est aussi, parce que nous sommes en Afrique centrale, mais par Lubumbashi, par les Katanga, nous faisons aussi Afrique australe. Nous faisons aussi, d'où nous sommes membres de la SADC et COMESA. Eh bien, je suis un internationaliste. Actuellement, dans le cours des Neri, nouveaux États, vous trouverez, n'est-ce pas, un principe de souveraineté en devenir. Et dans ce principe, lorsqu'un État est membre de plusieurs organisations sous-régionales, principalement membre de l'ONU, c'est comme lorsque vous, en tant que journaliste,
physiquement, vous faites partie d'une association des journalistes. Vous faites partie même des GED, parce que j'ai vu chaque fois qu'on arrête un journaliste, journaliste en danger, et vous prend en charge, fait même des manifestations, des textos que nous recevons de nuit et jour, ils font des marches, ils font Eh bien, ce sont des organisations de masse. Moi, certainement aussi, je suis membre d'une association, peut-être Banakine, peut-être l'association Alioyo, parce que je suis de ma mère de Mwanda, c'est l'association cotérique de Baoyo. Je suis peut-être certainement en tant que Mundibu de Bakongo, en Bandangou, je dois avoir une association de Bandibu qui doit me soutenir. Eh bien, si je suis malade, ce serait que normal que l'association Alioyo, l'association de Bandibu, puisse me venir en aide, payer même l'hôpital. Mutatis mutandis, dans la notion de la science des relations internationales, lorsque les États sont membres de leur organisation, ce n'est que normal que quand il y a eu agression, tel que le cas du Congo par Goma, il n'est que normal que cet État membre cotisant puisse être pris en charge par l'organisation à laquelle il appartient, dont il est membre. Raison pour laquelle, dans les cas en concerne, il a pris à l'ONU de prendre à bras le corps ces problèmes dont souffre le Congo, les agressions répétitives qui ont, n'est-ce pas, pour soubassement la richesse faire main basse de la richesse du sol, du sous-sol du Congo, notre coltan en principe, le cuivre, diamant, or et que sais-je encore. Alors, c'est pourquoi il a pris au président Joseph Kabila Kabange d'avoir envoyé il y a 3 semaines le premier ministre Matata Mponyo au siège de l'Organisation des Nations Unies, notre siège, parce que nous sommes membres, avec toutes les notes explicatives et les notes confidentielles. Il s'en est sorti 48 heures après, ou une semaine après, une décision et du Conseil national de sécurité et de l'Assemblée générale qui ont pris en charge les problèmes de l'agression de notre pays. Pour l'instant, le problème de sécurité de notre pays est du domaine de l'ONU. C'est pourquoi vous avez vu, il y a eu la réunion à Addis Abeba, siège de l'organisation continentale. Des 12 chefs d'État africains qui ont eu à signer, opposer les scientifiques sur la loi cadre. Qu'en est-il exactement? Eh bien, la loi cadre fait partie des prérogatives de l'ONU pour préserver l'intégrité du territoire de la RDC. Parce qu'un des principes fondamentaux de l'ONU, c'est le règlement pacifique des conflits. C'est-à-dire qu'avant d'être membre de l'ONU, il faudrait signer que pour tout différent, doit être, n'est-ce pas, trouver solution à l'amiable. Il y a aussi l'inviolabilité des frontières héritées de la colonisation. Et d'ailleurs, lorsqu'en 1994-95, le Rwanda avait trouvé que le territoire étant trop petit et que l'exode rural aidant, il y avait plus de population, il y avait moins de place, avait demandé qu'on lui donne Massissi et Rutshuru. Le maréchal avait à l'époque envoyé, je crois, son ministre des Affaires étrangères à l'ONU, où il avait, n'est-ce pas, usé de outil proséditis, c'est un article de la loi protégeant les frontières héritées de la colonisation. Eh bien, le Matata Mponyo, envoyé par le chef d'État Joseph Kabila Kabange, est allé brandir le même argument à Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU. Voici outil proséditis, les frontières
héritées de la colonisation sont intangibles, sont inattaquables. Et nous, on nous attaque pour ces frontières-là. Dans le monde entier, ça a toujours existé. Lorsqu'on attaque un pays, ancienne colonie, on revient toujours aux frontières hantées, aux frontières avant la colonisation. C'est ça qui a eu. Nous avons triomphé grâce, n'est-ce pas, à cet argument outil prosélytiste. Et pour l'instant, pardon, c'est plus qu'un triomphe, c'est un succès, c'est l'apothéose en RDC. Nous avons gagné diplomatiquement et sur le plan des textes. Parce que la guerre, il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a des guerres sur le terrain, la guerre, la vraie guerre, où on tire, chacun tire au canon. Il y a la guerre des boulets, d'arguments qui peuvent se passer dans les arcades des grandes instances, des grandes institutions telles que l'ONU, l'Union africaine, et SADC, comme ça. Tout comme ça peut se passer aussi dans, sous les oripeaux politiques où les chefs d'État peuvent se réunir dans le monde entier. Alors, je demande aux Congolais de se réjouir parce que dans l'accord cadre, les 12 chefs d'État reconnaissent que les richesses enfouies sous nos terres sont les nôtres. Dans l'accord cadre, les 12 chefs d'État reconnaissent qu'ils ne peuvent pas traverser comme des petits barbares, comme nous voyons dans les navires de guerre de l'époque, les barbares qui arrivent à attaquer d'autres navires battant pavillon des pays indépendants, souverains. Donc la traversée maintenant de nos frontières, entrer chez nous, piller nos coltans, retraverser la frontière, aller entasser ses richesses au Rwanda, en Ouganda, ouvrir des comptoirs dans ces deux pays-là, faire croire au monde entier qu'ils sont, n'est-ce pas, producteurs de ces coltans, alors que le monde entier sait que au Rwanda, à part l'herbe, il n'y a qu'un peu de café. C'est un pays pauvre, pauvre. Ils sont nés pauvres. Jusqu'à la fin des temps, ils resteront pauvres. Oui, honorable. Alors, je voudrais citer en disant que l'organisation internationale, l'organisation mondiale est consciente d'une chose, que nous avons des lois dans notre pays. La loi sur le code minier dit ceci. Moi, j'étais parmi les députés ayant travaillé à la naissance de cette loi, à l'émergence de cette loi. La loi sur la CAMI, le code minier, dit qu'un investisseur nationaliste, un investisseur national ou étranger, lorsqu'il voudrait venir investir au pays, il fait preuve de deux choses. De son caractère sérieux, crédible, qui n'est pas un voyou, il est propriétaire d'une société. Deuxième argument de taille, c'est prouver par le biais d'une banque de gabarit international qu'on a de l'argent, qu'on a des moyens pour pouvoir payer les taxes au gouvernement congolais, et sans oublier avoir assez de moyens pour, une fois octroyé la mine à la petite échelle, à la grande échelle, ou une carrière minière, avoir suffisamment de moyens pour, n'est-ce pas, financer l'exploitation de ces ressources-là, de façon de pouvoir vendre à l'extérieur tout en payant les taxes de l'État. Alors, dans cette loi cadre, l'Organisation mondiale a tenu compte de la loi que tout investisseur doit se conformer à la loi. Maintenant, les 12 pays africains peuvent venir exploiter ensemble avec nous nos richesses, mais en respectant, n'est-ce pas, les termes de cette loi-là. Promotion.
Promotion à Paris chez CAPEM. Promotion pour les fêtes. CAPEM, Mukondiab Agence. CAPEM, Agence Yabananzam. Promotion chez CAPEM, Kozanga Tendeko. Yakambangu na CAPEM, Otinda Biloko na yo. Du nouveau chez CAPEM Multimo à Paris. Promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez CAPEM Multimo à Paris. Promotion, promotion, promotion. Donc vous voyez, il y a 9h pour 10h pile. 10h pile, 10h 2 minutes, la bienvenue dans le Kingo, c'est bon. Ah ouais, tout à fait, on va aller. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez CAPEM, envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91 mail capemparis-du6multimo@hotmail.fr. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien au Royaume Éternel dans un album signé Adorons les grands rois sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaie de chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis les mariages. Ma papa, pe ma maman, bona bana, bini bota mobimba, pe na ba fête nyonso bolingaka, album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD avec une pléiade de chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis le mariage. DVD Bozelaki pour la maman, ba papa, bi bana. En bref, famille Mobimba. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Il y a des travaux qui se tiennent à Kampala en Ouganda entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le rebelle du M23. Quelle chance accordez-vous à ces travaux? Les chances que nous accordons à ces travaux sont immenses. Dans la mesure où, d'ailleurs, je suis un privilégié, l'ambassadeur plénipotentiaire de la RDC en Ouganda est un ami personnel, comme mon jumeau, son Excellence Jean l'ambassadeur Jean-Charles Okoto Lacombe. Donc, nuit et jour, je suis en contact avec mon ami. Pour l'instant, il y a trois semaines, il y avait un yo-yo, parce que les rebelles voulaient claquer la porte et repartir. Mais ça fait une semaine qu'on a trouvé un terme de référence. Le terme de référence, c'est quoi? C'est que l'accord du 23 mars n'a jamais été appliqué à 100%. Nous, côté gouvernement, nous n'avons pas changé. Nous avons toujours dit nous allons à Kampala pour évaluer les accords du 23 mars 2008, je crois. Alors, il y a eu un yo-yo de la part des rebelles, ils ont tergiversé, mais en fin de compte, nous leur avons fait attendre raison, nous, parti gouvernemental, ils sont revenus à la raison, ils ont accepté
de réévaluer l'accord. Donc, l'accord, pour l'instant, là-bas, nous sommes à l'état de réévaluation de l'accord, des accords. Et on a estimé que 30% seulement de l'accord ont été exécutés, qu'il restait 80 à 75% d'exécution de cet accord-là. Et je crois que dans le cadre de la loi cadre, dans le cadre de la fin de ces négociations, nous arriverons certainement à trouver un compromis de façon à pouvoir signer de façon que cet accord puisse aller à terme. Donc nous pouvons exécuter les 75% qui restent des accords. Je donne un exemple. Jean Bosco Ntaganda, comment est-il devenu général? Comment a-t-il été incorporé? C'est grâce à cet accord-là. Comment Jean Bosco Ntaganda, qui est pourchassé par la CPI, la Cour pénale internationale, a bénéficié de l'armistice, du pardon. Mais l'armistice, c'est dans cet accord-là. Donc, vous voyez que ils avaient abandonné l'accord, prendre les armes et faire des aventures. Mais, en tout cas, messieurs les journalistes, tenez une chose, les frontières qui nous séparent avec nos 9 voisins, ce sont des frontières héritées de nos ancêtres. Ça fait des siècles et des siècles que nous existons comme ça. Les frontières avec Goma, que nous avons, Goma a avec le Rwanda, c'est des frontières que nos ancêtres, les Houndé, les Nandé, se sont même battus contre les Rwandais pour faire triompher ces frontières-là. Les frontières que vous trouvez sur le long de Bukavu qui traverse avec le Rwanda, ce sont nos ancêtres, les Hanvu, les Chi, les Bachi sont battus armes à la main pour que les frontières s'arrêtent à la botte des Bukavu. Et si vous allez plus loin vers le Haut-Ouélé, les Bas-Ouélé, même au Bas-Congo chez nous, au Bas-Congo chez nous c'est différent. Nous, avec nos frères d'Angola, on n'a jamais eu de problème. Parce que nos frères d'Angola, quand ils viennent chez nous, ils acceptent l'autorité des Bakongo. Et ils s'intègrent. Chez nous, c'est l'intégration. Les problèmes avec nos frères rwandais, c'est qu'ils ne veulent pas, quand ils traversent la frontière de Truy, ils veulent toujours faire comme les nous appelons ça les Baouta. Ils veulent faire comme les Baouta, prendre les terres des autochtones, prendre les terres des propriétaires. Ça ne peut pas se faire. Ils refusent l'intégration. Et maintenant, avec la loi cadre, ils doivent suivre l'intégration. Ils doivent s'incliner devant nos frères Houndé, nos frères Bemba, nos frères Bachi, nos frères Nandé. Ils doivent reconnaître l'autorité de nos frères le long des frontières. Même si, moi, en tant qu'internationaliste, je sais que... depuis l'accord, depuis le traité de Westphalie, depuis la naissance de la Société des Nations en 1918, après la guerre, la première guerre, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis la création de l'ONU, qui était dans la forme que nous connaissons aujourd'hui, avec les 5 grandes puissances comme gendarmes du monde, depuis la Révolution française, 1885, ayant amené, n'est-ce pas, les DH, les droits humanitaires, les droits humains, ayant fait triompher, n'est-ce pas, les droits de l'homme, depuis ces étapes, depuis ces postulats que je viens de citer, j'estime que les pays post-modernes ne doivent pas traverser les frontières, aller envahir des pays voisins, des pays souverains, comme Kagame voudrait le faire. Kagame, c'est Trump de l'époque. Je le renvoie à la guerre qui avait opposé une trentaine de pays à l'Empire germanique. L'Empire germanique faisait une trentaine des États. Les 1818 à 1838,
il y a eu la guerre de 30 ans. Les États se sont battus comme des fauves. Mais 30 ans après, ils ont mis un arrêt, un terme à ces massacres. Et ils ont, n'est-ce pas, signé les traités de Westphalie. C'est ces traités qui donnent la souveraineté, la force et la puissance qui font que les États sont devenus des entités supérieures en matière de la gestion de la population. Donc il ne va rien inventer, Kagame ne pourra rien faire. Il est au bout du rouleau, il est pris comme un voleur dans sa cage. Revenons légèrement à l'accord CAD signé dimanche dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Ouais. Dans cet accord, il revient à la République démocratique du Congo de réformer son armée pour assurer la sécurité des personnes et les biens. Ouais. Oui. Doit-on recourir à l'expertise de quelques partenaires car nous l'avons reçu avec le maréchal Mobutu à l'époque qui envoyait des militaires en Israël, en Belgique et autres pays. Vous avez Laurent-Désiré Kabila aussi, envoyé certains en Chine, notamment le président actuel. Pensez-vous que nous avons besoin d'une expertise étrangère? Mais j'ai quand même un lot d'expérience dans ce domaine-là, pour avoir travaillé comme député de Mouzé, de Laurent-Désiré Kabila. Mais son digne fils, l'actuel chef d'État Joseph Kabila Kabange, est l'un des premiers bénéficiaires de ces formations avec des amis étrangers, avec des pays et amis. L'actuel chef d'État a été formé en Chine, je crois que vous le savez. Alors, l'actuel chef d'État a signé des accords avec la Belgique pour la formation des bataillons commando et paracommando. Il a signé ses accords avec les Américains, avec des bataillons qui sont venus de la rive gauche du fleuve à Kisangani, avec l'armée formée par l'armée américaine. Donc nous avons une affaire de 6 bataillons formés par les Belges, 6 autres bataillons formés par les Américains. Donc le président Joseph Kabila, qui est un soldat éprouvé du peuple, le sait pertinemment bien. La formation est nous sommes en perpétuelle formation en matière de notre armée. D'ailleurs, vous devez savoir que l'armée qui avait défendu Goma, c'est toute une compagnie qui est venue d'Kisangani. Le M23 était vraiment surpris. Mais ici, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a eu une 3 compagnies rwandaises qui nous ont envahis. Alors que nous croyons qu'en face de nous, nous n'avions qu'un bataillon ou un demi-bataillon de M23. Donc c'est ça. Ayez confiance aux autorités militaires. Je crois que vous avez vu, le chef d'État a su placer un vrai général qui dirige maintenant la force terrestre, le général Olenga. Le général Olenga est entré dans l'armée à l'âge de 14 ans. C'est pas n'importe qui. Vous sentez les changements depuis qu'il est là. Nous avons eu une rébellion à Bafouassende. Il a eu à l'Ematé. Il y a eu une rébellion qui avait occupé la partie orientale de Bounia, là où il y a les Pygmées. Comment on appelle ça? Les territoires des Pygmées. Le général Olenga s'est déplacé personnellement avec nos troupes, avec l'appui, n'est-ce pas, de la MONUSCO. Ça fait 15 jours, une vingtaine de jours, il a récupéré là, les territoires. Dernièrement, Pangi avait été occupé par le ministre Maïmaï Mukombozi. Pangi, c'est un territoire, le territoire de Maniema. D'ailleurs, c'est le village de l'ancien ministre Athanase Matenda. Mais le général Olenga, le même, il y a une dizaine de jours, a fait la guerre là-bas, a récupéré le territoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne connaissez pas. Vous avez vu le général Olenga
dans une localité qui n'est pas loin de Goma, quand il y avait la guerre de Goma. Il s'est déplacé lui-même. Il a mené les fronts. Donc maintenant, quand il y a un front, les chefs de l'état-major de force terrestre n'est jamais loin. Il y a des changements. Il faudrait nous faire confiance à nos autorités militaires. Et même dans l'accord cadre, n'est-ce pas, l'Organisation mondiale nous invite à accélérer, n'est-ce pas, l'intégration économique, l'intégration sous-régionale. Nous devons le faire. Mais n'oubliez pas qu'avant de réussir l'intégration sous-régionale, il faut d'abord que nous puissions réussir l'intégration au niveau national. Les provinces doivent s'interconnecter économiquement. Oui, on parle de ça. Et nous sommes très avancés au niveau de la SADC, au niveau des commissaires, du moins la partie australe, nous sommes très avancés sur le plan de l'intégration. C'est cette partie avec CAC qui pose un peu problème du côté de l'Afrique centrale. Mais du côté de l'Est austral, je crois que nous sommes très avancés sur le plan de l'intégration. Parce que l'intégration ne voudrait pas dire que les économies se mettent l'une à côté de l'autre. Mais l'économie de la RDC doit entrer dans l'économie kenyane, par exemple, doit entrer dans l'économie zambienne. L'économie zambienne doit s'intégrer, donc entrer dans l'économie congolaise. L'économie de la République du Congo, l'économie de la RCA, l'économie sud-africaine doit entrer dans l'économie congolaise. Donc il faut qu'il y ait mariage des économies, jumelage des économies. On doit commencer par les libre-échange. Donc l'échange des produits. Tu vois, en matière d'échange de produits, du côté Afrique australe, nous sommes très avancés. Même du côté avec Brazza, nous sommes déjà. Il suffit d'aller au beach, vous verrez que les produits, les articles qui viennent du Kinshasa vont à Brazza et vice-versa. Si vous êtes à Kasumbalesa, les articles de la Zambie entrent chez nous et nos articles vont en Zambie. C'est ça l'intégration. Ensuite, nous allons connaître l'étape de frontières, enfin de intégration douanière. C'est-à-dire qu'il y aura un moment donné, à Kasumbalesa, les produits de Lusaka, les produits zambiens, ne vont pas payer la frontière à l'entrée, les taxes à l'entrée. Et nos produits aussi en sortant ne paieront plus les taxes. C'est ça la deuxième étape. Et la troisième étape, en ce moment-là, les usines vont peuvent se déplacer. Les usines de la Zambie peuvent venir au Congo sans payer la taxe. Les usines du Congo peuvent aller en Zambie. Vous pouvez aller placer les usines en Zambie sans payer les taxes. Et ensuite, la suppression des frontières. Je crois que c'est la cinquième étape. La suppression des taxes aux frontières. Ça, c'est comme l'Union européenne, la suppression des taxes. Donc, c'est la communauté économique. Et nous devons atteindre tout ça. Bon, honorable, toujours en rapport avec cet accord, il revient à la République démocratique du Congo d'affirmer son autorité à travers l'étendue de son territoire. Oui. Ne pensez-vous pas que c'est juste une nouvelle tournure pour confirmer qu'il y a déficit de leadership dans les institutions du pays ? Fissure de leadership. Donnez-moi un exemple. Déficit de leadership. Oui. Parce que ici, on réclame, vous comprenez ce que ça fait un peu, parce que d'autres personnes ne savent pas donner beaucoup d'avantages et tout ça. Et si vous pouvez, n'est-ce pas, leur remonter la morale pour dire quelque chose par rapport au leadership. Mais par rapport au leadership du Congo, sous la houlette de Joseph Kabila Kabangé, sous la houlette de notre Premier ministre, mais le gouvernement est au four et au moulin. Sur le plan de la défense du pays, vous avez mis au moins 3 brigades formées, j'ai dit, par et les Américains et les Belges. Ils ont bien défendu le territoire. Mais nous avons été trahis par les deux voisins, hein, qui nous ont envoyé des armées, des classiques entières.
Nous qui nous attendions à une petite rébellion, mais qu'est-ce que nous avons en face? Des divisions blindées. Quatre divisions blindées, des divisions. Une division, ça fait 3000 hommes. Alors, disons, sur le plan de la gestion du pays. Mais vous avez vu, il y a 3 ans, où est-ce que nous étions? Nous étions avec des déficits à 3 chiffres. On n'avait pas de croissance il y a 6 ans. Maintenant, nous avons une croissance soutenue. Ça fait 6 ans, depuis 2001 jusqu'à ce jour. 2002 jusqu'à ce jour, nous avons une croissance soutenue. Nous avons terminé l'année avec 2012 avec 6,8. Aujourd'hui, nous sommes à 7,3. Nous allons terminer cette année avec 8,12. Mais ça, c'est la croissance du Japon, mon ami. C'est la croissance de la Chine. Nous allons entrer en 2016 avec une croissance, je ne sais pas, de 12, 13. Mais c'est la croissance du Japon. C'est la croissance des 5 pays des dragons. Donc, sur le plan économique, nous faisons une percée. Sur le plan diplomatique, une percée. Victoire. Sur le plan interne, la politique interne, vous avez vu que nous avons fait l'assainissement de toutes les dépenses. Il y avait des fissures même dans la fonction publique. On nous donnait un nombre inexact. On disait 1 million de fonctionnaires, 3 millions de fonctionnaires, alors qu'il n'y en avait qu'un million. Nous avons récupéré les salaires au moins pour 2 millions de fonctionnaires, que nous sommes en train de pomper maintenant dans les 5 chantiers, dans les travaux. Dans l'armée, mêmement, les chiffres étaient exagérés. Le gouvernement a réaffirmé les chiffres. Je crois que chaque mois, le gouvernement récupère 2 millions de dollars qui étaient pompés dans la mafia des salaires des agents fictifs. C'est un effort. Quel leadership encore que vous cherchez? Quand l'opposition parle de leadership, il voudrait dire que l'actuel chef d'État, l'actuel premier ministre, l'actuel gouvernement ne dirige pas bien le pays. Le pays n'a pas une bonne armée. Le pays n'a pas une bonne économie. Le pays n'est pas construit. Mais regardez vous-même les 5 chantiers. Nous avons des routes que même les Belges n'ont pas. Lors de la francophonie, François Hollande est arrivé. Il croyait avoir affaire à une république bananière. Il croyait qu'il n'y a pas des routes en terre. Mais il est sorti de l'aéroport, il a fermé les yeux, il a ouvert les yeux, il a dit, mais je suis sur les Champs-Élysées ou quoi? Mais ce boulevard n'en finit pas. On lui a dit, Excellence, vous êtes en train de combiner, vous avez de l'aéroport, c'était le boulevard Lumumba. Et à un moment donné, c'était le boulevard Triomphal. Et maintenant, vous êtes sur le boulevard du 30 juin. Il me dit, mais c'est pas possible, parce que ça va terminer quand ce boulevard? C'est même le boulevard à l'infini. Et nous allons continuer comme ça. Il y aurait le boulevard jusqu'à Kikwit. Il y aurait le boulevard jusqu'à Mujimai. Boulevard jusqu'à Kasumbales. Et ça va boucler comme ça en revenant. Boulevard Kisangani, Mbandaka, jusqu'à Mwanda. Ça va être la boucle. Puisque nous sommes. Voilà. Là. Je vous mets là, vraiment, je suis en train de. Vous me prenez d'envol. Je viens de décoller, comme le Congo vient de décoller. Voilà. Vous remarquez la passion. J'ai la passion du Congo. Moi, je demande aux Congolais qui sont à l'étranger, au lieu de parler, de rester sous le foie de Paris, de Londres, du Canada, des États-Unis, nous allons arriver. Merci beaucoup. Vous êtes de la majorité présidentielle et nous croyons que vous êtes pour le dialogue national. Dont le chef de l'État... Inter-Congolais. Oui, inter-Congolais. Ouais, inter-Congolais. Bon, le chef de l'État parlait du dialogue national. Dans ce discours, il a dit, bon, où sommes-nous maintenant dans ce qui concerne ces dialogues inter-congolais? Doit-on aussi accorder une chance quand on voit l'opposition ne pas se ranger en ordre? D'un côté, l'UDPS s'est dit ne pas être préoccupé par ces dialogues. De l'autre côté, l'UNC déclaré ne pas être intéressé. Donc, on a mis à côté par ce dialogue qu'on fait national. Vous voyez, je rigole. L'opposition, mon cher ami, c'est comme des enfants. C'est une opposition qui n'a pas de maturité. C'est une opposition qui n'est pas mûre.
L'opposition veut le beurre et l'argent du beurre. L'opposition veut les programmes et les et l'anti-programme. Donc l'opposition veut la chose et le contraire de la chose. C'est une position qui n'est pas cohérente. C'est une position qui est perdue. Dans la mesure où nous reconnaissons nous tous, même moi qui suis dans la majorité, je reconnais que même au sein de la majorité, nous avons des problèmes entre nous. Nous avons des problèmes d'ambition. Il y a des gens qu'on continue, on nomme les mêmes. Pourquoi on nomme pas les autres? Et dans l'opposition, entre eux, ils ont des problèmes. Ils sont même incapables, n'est-ce pas, de se désigner un porte-parole de l'opposition. Alors que la loi leur donne, n'est-ce pas, l'occasion de se choisir un porte-parole. Ça fait 3 ans, mon monsieur le journaliste, qu'ils n'arrivent pas. Et chaque fois qu'ils disent, ah, voilà, vous les gens de la majorité, vous êtes comme des champions du monde en matière de 200 mètres plats, 100 mètres plats, vous courez vite, plus vite que vos pieds, si vous devez vous réconcilier avec les rébellions, même avec l'étranger, vous courez vite à l'Organisation mondiale pour négocier, mais vous ne voulez même pas ouvrir des dialogues avec vos frères de l'opposition à l'interne, au sein de la République, au sein de la RDC. Et voici que les chefs d'État, sensibles au cri de cœur de nos frères de l'opposition, se dit oui, mes frères de l'opposition ont raison. Débat intercongolais, ça doit se passer ici, en République démocratique. On ne va pas refaire la CNS, la Conférence nationale souveraine, non. Les pouvoirs, c'est pouvoir électoral. Si vous voulez avoir vous voulez devenir gouverneur de la ville, attendez les élections. Vous voulez devenir chef d'État, attendez les élections en 2016. Le débat intercongolais, c'est pour vider nos puits. Si nous avons des abcès, si nous avons des furoncles, des boutons pourris avec des puits, on doit d'abord percer ces boutons, enlever la puits. C'est comme ce sont nos puits à nous-mêmes congolais. Boire ces puits-là entre nous-mêmes. Soigner ces blessures avec des produits, des médicaments qui viennent de nos terres, de nos herbes. Et si on prend l'herbe, nous soignons nos blessures. Ensuite, nous disons des vérités. Vous, dans l'opposition, vous ne voulez jamais dialoguer. Quand on vous donne un poste, vous fuyez. Quand on vous invite à Kampala, vous refusez de venir à Kampala. Et vous aussi, nous aussi, dans la majorité, on dit des vérités. Nous avons des vérités à nous dire. Nous avons aussi des différences. C'est ça la vie démocratique. Sociologiquement, là où il y a des gens, là où il y a un groupe de gens, Mouziki 100 kilos, ou association des mamas, ou association des mamas Yazando, des papas Yazando, des tennisman, association des journalistes, il ne manque jamais de problèmes. Là où il y a les hommes, réunis en 10, en 1000, il y a toujours des problèmes. Et voilà, ils veulent nous filer à l'anglaise, les opposants. Ils veulent nous doubler. Ils veulent revenir avec. J'ai entendu même Kamer dire, ou les gens de l'INC dire, il faudrait que ce débat intercongolais se tienne à l'étranger. Mais pourquoi à l'étranger? Ce sont des problèmes internes, messieurs. Vous voulez le gouvernement de l'Union nationale? Mais nous allons dire ces vérités à Kinshasa, ou à Kananga, ou à Mbujimayi, ou à Matadi, ou à Goma, ou à Bukavu, ou à Mbandaka, pourquoi pas? À côté du fleuve Congo à Mbandaka. On fait le débat intercongolais. Et là, comme faisaient nos ancêtres, on va trouver les plus grands baobabs. Si les plus grands baobabs sont chez les Nandes de là-bas à Boutembo, on va à Boutembo autour de cette arbre. Si on va voir les baobabs de Boma, là où c'est à passer la nuit Stanley, nous allons tous à Boma autour de ces baobabs-là. Nous parlons, les chefs d'État viendront, Matata viendra, ce qu'ils viennent là. Oui, nous voyons, vous savez, l'honorable a beaucoup de choses à dire. Alors, dommage, le temps nous trahit. Oui, voilà. Une dernière question, si vous. Je vous en prie. Doit-on croire un jour l'honorable Augustin Massamba à la tête du gouvernorat du Bas-Congo ou peut-être à la tête de la ville-province de Kinshasa? À la tête de la ville-province de Kinshasa, je suis candidat parce que je suis un entrepreneur. Vous avez vu ma carte, je suis de formation
programmeur, analyste, donc je suis un programmeur, un informaticien. Maintenant, je suis en dernière année des relations internationales dans une université de La Place. Vous me voyez demain avec mes syllabis. J'ai demi-session qui commence ce lundi. Si j'ai réussi, d'ici juillet, je serai licencié en relations internationales. Et je suis aussi entrepreneur, parce que j'ai une société qui construit des maisons. J'ai conçu plusieurs maisons, ceux qui me connaissent le savent. Je sais construire les routes. Si on me met gouverneur de la ville, je construirai les routes de Kinshasa. À Matongé, vous verrez même des routes où il faut même seulement faire des dalles avec un sac de ciment. Est-ce que vraiment, avec des dalles, une dalle avec un sac de ciment, il faut que ça vienne du trésor, l'argent vienne du trésor. Mais je prendrai dans chaque commune, chaque bourgmestre qui aura pas changé de dalles, 10 dalles par avenue, 50 dalles par quartier, eh bien, je les ferai partir, tout simplement. Moi-même, je serai là pour construire des dalles. Construire les routes à Matongé, à Lemba, à Bandal, à Ngiringiri. Ngiringiri est devenue même une commune enclavée. Ngiringiri est devenue comme le Rwanda. Le Rwanda n'a pas de littoral. Le Rwanda n'a pas de mer. Le Rwanda, c'est un pays complètement enclavé. Ngiringiri est devenue enclavée. Matete enclavée. Kasavubu ici enclavée. Bumbu, c'est Lemba. Heureusement, le gouvernement a désenclavé Bumbu. La route passe maintenant, je crois, de Bandal, en passant par la prison Makala, jusqu'à Ipen. Au moins, Bumbu est sauvé. Donc, je suis candidat pour le gouvernorat de Kinshasa. J'annonce ça à tous les amis qui connaissent mes capacités, qui veulent bien m'aider pour devenir gouverneur de la ville de Kinshasa. Quand au Bas-Congo, il y a Jacques Mbadou qui est là. Il est capable, c'est un frère qui vaut la peine. Depuis qu'il est arrivé là, il a déjà fait des actions pour la construction des stades, construction des routes. Il a donné un chèque de ne sais pas combien pour financer le retour d'eau à Matadi. À Matadi, il n'y a pas d'eau depuis un moment. Et voilà, donc je ferai des actions telles que Mbadou est en train de les faire à Matadi pour Kinshasa. Merci. C'était un plaisir pour moi de faire cette interview avec vous. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, je suis ouvert. Merci. Nous rappelons que nous avons reçu cet après-midi, dans le cadre de notre émission politique du Congo, l'honorable Augustin Massamba. Et dans quel cadre? À l'hôtel Loutou. On n'est pas à l'Inter. Et le soir, il y a des dîners de tonnerre. Merci beaucoup. Merci. Non, tout le plaisir était pour moi.